Bonjour, bienvenue dans 101%. Le vendredi, c'est n'importe qui. Et aujourd'hui, c'est moi, Alex, et je suis avec... Moguri. Au sommaire, nous aurons aujourd'hui... La critique de Eiyuden Chronicle Unready Heroes. Ce sera suivi par le live report sur l'artiste Yuka. Ensuite, on aura un hippodrôle. Ensuite, mon souvenir. Et enfin, un debug mode. Et tout de suite, les news. Sorti la semaine dernière en catimini sur Steam, Devil Blade Tribute est un jeu particulier à plusieurs égards. Premièrement, il s'agit d'un shoot'em up, un genre plutôt rare en 2024. Deuxièmement, il est développé par Shigatake, un illustrateur principalement connu pour ses travaux chez Vanillaware, qui s'est pour l'occasion appuyé sur le soft Shooting Game Builder, qui promet à n'importe qui de pouvoir créer des shmups sans aucune connaissance de programmation. Ensuite, comme son nom l'indique, à peu près, Devil Blade Reboot est en réalité une sorte de remake de Devil Blade tout court, sorti en 1996 et développé à l'époque sur Desaemon Plus, une sorte d'ancêtre de Shooting Game Builder publié sur PlayStation. Enfin et surtout, Devil Blade Reboot est un sacré bon shmup qui se permet en plus d'être tout à fait accessible et plaisant à jouer, même pour les moins aguerris au genre. Son principe est simple. Plus on colle les ennemis au moment de les détruire, plus on fait monter une jauge berserk, qui, une fois chargée à 100%, multiplie le score par 5, tout en rendant les ennemis plus puissants et résistants. A vous de voir alors si vous préférez viser le score en augmentant la difficulté du jeu, quitte à sacrifier des bombes, pour faire décoller la jauge berserk grâce au mode boost, ou si vous préférez au contraire rester bien au chaud tout en bas de l'écran pour éviter de déclencher le berserk et mener une vie plus tranquille. Dans un cas comme dans l'autre, vous profiterez quoi qu'il en soit d'une ambiance très bien servie par des graphismes typés Sega Saturn, de très beaux patterns jamais trop chargés et de quelques jolies idées de level design. Si le cœur vous en dit, Devil Blade Reboot est donc d'ores et déjà disponible sur Steam pour une petite quinzaine d'euros. Cette fin de mois de mai est plutôt douce pour le jeu de combat, puisque Street Fighter VI et Guilty Gear Strive accueillent chacun un nouveau personnage emblématique. Le célèbre Gouki pour Street 6 d'abord, qui est venu conclure la première saison de personnages de jeu le 22 mai dernier, après Aki, Rashid et Ed. Et Slayer pour Guilty Gear Strive, venu fermer le 30 mai une troisième saison qui avait déjà aligné Johnny, Elfette et Abba. Vieil ermite ultra-violent d'un côté, dandy vampire de l'autre, les deux personnages ont en commun une capacité certaine à faire fondre des barres de vie à la vitesse de la lumière. Reste uniquement à savoir si vous préférez les sandales usées ou les bottines en cuir. Côté rétro gaming, on vous rappelle que l'exposition Insert Coin installée à la Monnaie de Paris reste ouverte jusqu'au 7 juillet. À l'entrée, on se voit glisser dans la main une dizaine de pièces frappées pour l'occasion et compatibles avec toutes les machines exposées. Jukebox, babyfoot et bien sûr, borne d'arcade. L'expo est relativement resserrée et se parcourt assez vite, mais le petit frisson de la pièce insérée dans le monnayeur de la machine et son cliquetis libérateur permettent de retrouver un état émotionnel unique, précieux et oublié. Et ça, ça n'a pas de prix. Enfin si, c'est 12 euros l'entrée. Le 18 avril dernier, le Grand Rex accueillait la Goldorak Experience Retro Night, soirée festive qui célèbre la gloire d'Actarus dans son Goldorak qui n'a jamais peur de rien. Et ce n'est pas la première fois que le robot géant de Nagaigo avait eu cet honneur. J'ai été au Japon négocier avec Dynamic le droit de faire de l'événementiel sur la licence. Ça devait être un one-shot il y a 2 ans et demi. Et comme tout le monde nous sollicite, on refait une deuxième édition. Tous les génériques seront interprétés ce soir, il y aura un karaoké géant. Si la soirée a tous les atours d'une Globibulga Night sauce planitron, elle est quand même un peu plus qu'un objet de pure nostalgie conçu uniquement pour faire vibrer les quadras. Et on s'en rend compte de manière évidente quand un orchestre monte sur scène pour jouer les thèmes les plus connus de la BO. La série, produite en 1975, est certes très ancrée dans le style Neketsu 70s, mais ce concert rappelle de manière éclatante que Kikuchi Shunsuke, le génial compositeur connu également pour son travail sur Albator 84 et Dragon Ball, a livré un score absolument sublime et intemporel. Après le passage de nombreux guests comme Catherine Lafon, la voix de Phénicia, l'improbable Daddy K
et même Dorothée qui a toujours la forme, la scène accueille à tour de rôle tous les chanteurs qui ont signé l'un des génériques de Goldorak. Bernard Minet, Jean-Pierre Savelli, Noam, et bien sûr Enrique qui a interprété le tout premier générique, la chanson originelle calquée sur le fantastique opening japonais. Goldorak, c'était une révolution d'ailleurs, ça a fonctionné très rapidement. Et bien moi, la première fois que j'ai entendu le japonais chanter pour prendre sa place, j'ai dit mais c'est génial ce truc, je ne savais pas du tout ce que c'était. Alors souvent, on me dit oui, vous l'avez chanté de façon un peu opérette, un peu lyrique. C'est pas faux, c'est très vaillant. Avec d'autres célèbres robots venus d'un futur qui devient de plus en plus notre présent, ceux de l'exposition L'Art de James Cameron à la Cinémathèque. Un endroit à parcourir absolument pour quiconque s'intéresse au travail de ce cinéaste hors norme. C'est une occasion unique de découvrir un aspect moins connu du personnage, son travail de dessinateur, en commençant par ses œuvres de jeunesse, où on peut déjà y déceler les thématiques qui feront son cinéma. Les journalistes du podcast de Capture Mag, qui ont souvent eu l'occasion de parler de leur amour pour le cinéma de Cameron, ont eu aussi un rôle à jouer dans la mise en place de cet événement. L'exposition est née sur l'impulsion de collaboratrices de James Cameron, des gens qui travaillent avec lui à la Avatar Foundation, à Lightstorm, et qui avaient découvert toutes ses archives, en fait, il garde toutes ses archives, donc, et notamment ses dessins, il en a énormément de dessins, parce que sa mère, James Cameron, elle-même, en fait, gardait, conservait les archives de Jim. Et donc, elles ont découvert toutes ces archives, elles ont dit à Jim Cameron, mais il faut en faire quelque chose. Et donc, elles nous avaient demandé, elles étaient de passage à Paris, elles nous ont demandé, mais est-ce que vous avez une idée de l'endroit à Paris? Est-ce qu'il y a un endroit qui pourrait accueillir cette exposition? Et nous, on leur a parlé de la Cinémathèque, ça nous semblait logique. Mais l'expo ne se limite pas aux dessins de Jim. Au fil des galeries, on découvre avec joie et peut-être aussi une certaine fébrilité de nombreux props rescapés des tournages, comme une écoutille du complexe sous-marin d'Abyss, ou encore le dessin original de Rose dans Titanic, exécuté de la main de Cameron lui-même. C'est un auteur. Je pense que ça, c'est le principal atout de James Cameron. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui... Il y a l'aventure en fait de ces films, ces grands blockbusters, des grands films de studio, la Fox en général, qui ont coûté des fortunes avec des équipes pléthoriques. Mais à son cœur, il y a Cameron. Et Cameron, il fait beaucoup, beaucoup de choses en fait sur ces films. Hein. Il est le scénariste. Souvent exclusif d'ailleurs de ses scénarios. Il est maintenant, depuis l'Avatar, il est aussi son propre cadreur, hein. C'est lui qui est l'opérateur caméra. Il est le monteur, hein, depuis Titanic, souvent seul, mais pas uniquement. Et donc l'expo aussi témoigne de ça. C'est-à-dire que ce qui est étonnant en fait dans l'exposition, c'est de voir à quel point il a la mainmise en fait sur l'aspect créatif en fait de ses films. Ça, c'est absolument fascinant. L'exposition reste ouverte jusqu'au 5 janvier 2025 et est accompagnée de projections rétrospectives de toute la filmo du réalisateur. Dans les news qu'on vient de voir, je crois que c'est toi qui a écrit la news qui concerne Guilty Gear, Strive. Ouais. Et ça me fait penser que justement, Ishi Watari est invité à Japan Expo cette année, donc le créateur de Guilty Gear, c'est aussi le compositeur. Le compositeur, ouais, c'est ça. Ouais. Et il joue aussi le rôle des personnages. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui fait plein de trucs dans la série, qui incarne vraiment la série et qui est, je trouve, enfin qui, en tout cas moi, m'est extrêmement sympathique. Et on l'avait reçu, on avait la chance de l'avoir reçu à No Life. Ouais. Il avait même présenté un 101%. C'est vrai. Ouais. Comme nous aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à aller voir. Il y a des archives qui traînent, je crois. C'est vrai, à droite à gauche. Exactement. Donc pourquoi, qu'est-ce qu'on fait là? Voilà, c'est la grande question. Là, on est en train de présenter un 100%. No Life est terminé depuis 6 ans maintenant. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on vient faire ici? Eh bien, en fait, ça vient d'un Ulule, pas un Kickstarter, un crowdfunding pour Origami, dans lequel il y avait un palier particulier. Ouais. C'est toi qui m'avais contacté et qui m'avais dit, on aimerait bien mettre un palier un peu marrant, c'est faire un making-of, mais pas n'importe lequel, un making-of à la Debug Mode. Ouais. Moi j'ai dit, mais oui, carrément.
Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai terminé ce debug mode, je l'ai envoyé à Kevin, et là, C'est là que j'ai créé encore plus de problèmes en te disant... Enfin, en fait, c'est le fait de voir le debug mode, avec l'habillage et tout, complet, tout ça. Bah, ça m'a replongé dans l'époque, en fait, et je me suis dit, mais attends, ce serait marrant qu'il y ait un 101% autour de ce debug mode. Et je crois que j'ai dû te dire ça un peu en ces termes, de dire, bah, non, mais je suis désolé, c'est une idée un peu à la con, ça va nous créer plus de problèmes qu'autre chose, mais ce serait pas marrant qu'il y ait un 101% autour du debug mode. Et je crois que t'as répondu, ah là là, je suis embêté parce que maintenant que tu me l'as dit, oui, j'en ai envie aussi. Et on s'est lancé là-dedans. C'est exactement ça. Ouais. Une fois que t'avais lancé l'idée, que t'avais planté la graine Inception, toute la nuit j'y ai pensé, ça serait quand même rigolo. Et il faut voir que je venais de terminer le debug mode et j'avais pris un vrai plaisir à aller retrouver les habillages, à faire un peu de rétro-engineering, retrouver comment c'était fait, quelle couleur sur le sommaire, tu sais, une espèce de violet, de violet sur le sommaire, j'ai essayé de retrouver exactement le même, l'endroit où on place le logo, la taille du logo, enfin tout. Je me suis éclaté quoi, à faire ce debug mode, je me suis vraiment marré, outre le fait que c'était aussi très intéressant de documenter le lancement d'Origami, c'est le truc à la base, c'est le contenu, mais sur la forme il y avait un vrai plaisir, un vrai amusement de ma part, et là évidemment refaire un 100% c'est retrouver le fond derrière nous, les habillages, la petite musique, enfin je sais, on n'a pas encore monté, mais je sais que je vais m'éclater sur le montage. Et voilà, donc tout de suite j'ai fait, tout de suite, le temps de passer une nuit de réflexion. D'y réfléchir un petit peu, c'est ça. Je t'ai dit, ce serait pas mal que tu nous écrives une critique. C'est vrai, et c'est là que j'ai commencé à me dire, ah, cette idée était-elle si bonne finalement? Où j'ai commencé à moi-même avoir des doutes, je crois que je te l'avais dit, j'ai dit, ah ouais, mais moi tu sais, les critiques, ça fait longtemps que j'en ai pas écrites. Et je pense qu'on va voir tout de suite si c'était une bonne idée ou pas de se remettre à la critique. Avant de commencer, il faut que je vous fasse deux confessions. La première, c'est que ça fait très longtemps que j'ai pas fait ce truc de critique là, et que je sais pas trop encore ce que ça va donner. Pardon d'avance. La deuxième, c'est que j'aime bien les JRPG. J'ai adoré les JRPG, au point de ne jouer quasiment qu'à ça pendant des années, au point où ils ont, je crois, profondément influencé ma manière de voir et de consommer le jeu vidéo. J'ai adoré les JRPG, et puis les années ont passé. Les JRPG, et peut-être dans une certaine mesure leur beau jour aussi. Et donc aujourd'hui, je dirais que j'aime bien les JRPG. Mais si je les ai adorés, et si je les aime bien aujourd'hui, ce n'est pas uniquement pour les personnages qu'ils m'ont présentés, les paysages qu'ils m'ont fait visiter, ou les histoires qu'ils m'ont racontées. C'est aussi, beaucoup, pour leur grammaire à eux, celle qu'ils ont développée pendant des années dans leur mise en scène théâtrale, faite de décors de poche et de plans fixes. Et celle, plus rugueuse, qui se cache dans leur mécanique, dans leurs donjons, leurs combats aléatoires et leurs systèmes alambiqués. Car c'est dans les interstices de ces affrontements au tour par tour et de ces menus compliqués que j'ai toujours trouvé la place de me loger, moi, en marge d'histoires toutes tracées et de personnages prédéterminés. Alors, ça peut paraître étrange en 2024, à l'heure où le genre fait tout pour les éviter et nous les faire oublier, mais j'ai adoré, et j'aime encore les JRPG, aussi pour leurs séquences de leveling rébarbatifs, leurs dédales étirées aux énigmes simplistes et aux ennemis nombreux, ou encore leurs petits doigts qui font des bruits rigolos en désignant d'interminables listes d'objets et d'équipements. Car c'est dans ces moments et ces écrans, à la frontière de l'ennui, que l'on peut trouver le temps de penser au reste du jeu, à toute autre chose, ou même à rien. Et moi, écoutez, je trouve ça beau. Et maintenant que j'ai dit ça, on peut parler d'Eyuden Chronicle 100 Heroes. Eyuden Chronicle, comme d'autres avant lui et sûrement pas mal d'autres encore qui le suivront, est un de ces purs produits du financement participatif. La suite absolument non officielle mais tout à fait spirituelle d'une ancienne légende vaporeuse, assez culte pour déplacer les foules aujourd'hui, sans avoir été assez vendue à l'époque pour aligner son 12e épisode en 2024. En l'occurrence, la légende se nomme Suikoden 2, tandis que son héros, AUT, qui nous a malheureusement quitté le 6 février dernier, s'appelait Murayama Yoshitaka. C'est lui qui avait créé sur PlayStation la série des Suikoden, ces JRPG inspirés de Shuihujuan, un grand roman populaire chinois narrant sur fond historique les aventures d'un groupe de 108 brigands en rébellion contre l'empereur Huizong. C'est lui aussi qui avait dirigé en 1998 le développement du deuxième épisode de la série, encore aujourd'hui très souvent considéré comme le meilleur. C'est lui toujours qui quittera ensuite Konami juste avant la sortie du troisième volet, demandant au passage à ce que son nom soit retiré du générique. Et c'est lui, enfin, qui réapparut finalement en 2020 à la tête de son nouveau studio Rabbit & Bear et entouré de quelques têtes pensantes et faisantes de l'époque pour financer sur Kickstarter son nouveau projet qui, dans un monde plus détendu sur le copyright, aurait très bien pu s'appeler Suikoden 2.5.
Dès son titre bilingue, qui signifie grosso modo « L'histoire des 100 héros, 2.100 héros », Eiyuden Chronicle 100 Heroes s'efforce de rappeler le principe qui a fait le succès des Suikoden, à savoir la promesse d'un casting d'une centaine de personnages à recruter dans son équipe. Et ça ne s'arrête évidemment pas là, puisque tout le reste du jeu est une grande opération de revival. Prenez Ryo et Joey de Suikoden 2, remplacez-les par Noah et Sane, faites de même avec les cités-états de Jostun et celle d'Alran, et tant que vous y êtes, remplacez également le terrible Luca Blight par le Dux Aldric. Et voilà, vous avez votre héros, votre nation pacifique à défendre et votre agresseur, tous et toutes taillés dans le bois qui avait déjà servi en 1998. Alors bien sûr, comme en 1998, vous allez avoir le plaisir de rassembler vos très nombreuses recrues dans un château évolutif, et les faire participer à des combats communs par groupe de 6, ou plus occasionnellement à des duels, ou au contraire, des batailles de grande envergure. Et oui, vous allez aussi, comme à l'époque, pouvoir les emmener faire un tour aux sources chaudes, profiter de leurs attaques combinées, ou encore participer à des batailles de cuisine. Bref, vous allez jouer à un Suikoden 2 qui n'emporte pas le nom en fait, tout simplement. Même dans ses atours, volontairement évocateurs d'une ère PS1 à peine sublimée, et alternant entre un style tout à fait fantaisiste et quelques éléments beaucoup plus réalistes, Eiyuden Chronicle tient à rappeler d'où il vient. Et vous savez quoi? Bah tout ça c'est super en fait. C'est exactement ce que le jeu nous a promis, et c'est exactement ce qu'il nous offre, en dépoussiérant gentiment quelques recoins à droite à gauche. Ainsi, l'évolution du château n'est plus uniquement liée au recrutement, mais dépend maintenant aussi d'un arbre de développement dédié et de la récolte de différents matériaux. Les duels, s'ils reprennent le principe de pierre-feuille-ciseaux, sont maintenant bien mieux mis en scène. De nombreux personnages peuvent dorénavant être embarqués en support et confier différents bonus qui viennent apporter une couche de stratégie supplémentaire au combat. Même les donjons et les boss, tout en restant très classiques dans leur approche, s'efforcent d'amener régulièrement des mécaniques éphémères inédites pour renouveler l'expérience de jeu. Et le tout sert une aventure elle aussi classique dans la forme, mais efficace dans sa manière de nous présenter sans cesse de nouvelles situations, de nouvelles ambiances, de nouvelles intrigues et de nouveaux personnages. Alors certes, on joue tout de même à un ersatz de Suikoden 2, avec tout ce que ça implique de barres beaucoup trop hautes d'une part, et de vieille école de l'autre. Certes, on passe son temps à faire des allers-retours pour vérifier si tel personnage n'accepterait pas de venir rejoindre l'équipe maintenant qu'on a parlé à tel autre personnage. Certes, ces allers-retours sont ponctués de rencontres aléatoires qui à la sortie du jeu pouvaient être effroyablement nombreuses ou terriblement rares selon le taux de rafraîchissement d'image choisi. Bien sûr, on fait beaucoup de level-up. Forcément, on passe sûrement un peu trop de temps dans des donjons toujours un peu trop tortueux pour être tout à fait honnête. Mais si la longue introduction de cette critique a prouvé quelque chose, c'est qu'on peut, ou du moins qu'une personne, peut apprécier ça. Et tout en lui reprochant peut-être tout de même une promesse pas vraiment tenue de modernisation du genre, le fait est qu'on trouvera en Eiyuden Chronicle précisément ce qu'on va chercher en soutenant ce genre de projet. Un trip évidemment grassement nostalgique, qui serait certainement qualifié de simple plagiat s'il n'était issu des mêmes cerveaux que son modèle. Un trip sucré, doux et confortable pour peu qu'on adhère à son principe, qui ne gagnera malheureusement jamais contre la légende qu'il entend évoquer. Mais de toute façon, entre nous, qui peut lutter contre un Suikoden 2 et les souvenirs sublimés qu'il nous a laissés? Alors oui, Eiyuden Chronicle peut être merveilleux dans la manière qu'il a de vouloir à tout prix faire du vieux avec du vieux. C'est un exercice de faussaire en fait, qui n'essaye pas tant de faire progresser ou embellir que de, simplement, reproduire. Et si on peut tout à fait trouver l'objectif vain, on aimerait pouvoir reconnaître qu'il est bien exécuté. On adorerait pouvoir faire ça. Mais malheureusement, et alors même que tout tient très bien la route sur le papier, Eiyuden Chronicle est, encore aujourd'hui, à plus d'un mois de sa sortie, une expérience souvent éprouvante. Et pas vraiment à cause de sa structure datée donc, ça c'était dans le contrat. Ni même à cause de sa bande-son très inégale ou de ses personnages dans l'ensemble aussi vite oubliés qu'ils sont recrutés. Ça c'était moins dans le contrat, mais on peut toujours s'en accommoder. Non, elle est ailleurs la raison qui peut rendre Eiyuden Chronicle fatigant au point d'user quelqu'un qui apprécie même les aspects les moins clinquants du JRPG. Elle est dans ses temps de chargement nombreux et étendus, ou dans ses menus et leurs différentes pages qui mettent systématiquement une bonne seconde de trop à s'afficher. Elle est aussi dans ses combats normaux, lents et absolument pas intéressants à faire à la main, et pénibles à piloter automatiquement via un système d'ordre beaucoup trop limité et parfois tout simplement incompréhensible. La raison, c'est ces détails qui, réunis, amènent à un terrible constat. Eiyuden Chronicle est un JRPG dont on a peu envie d'ouvrir les menus ou de participer au combat. Et alors, tout le château de cartes rétro s'effondre. Que valent cette centaine de personnages, ces contrées lointaines et ce beau château si ce qu'on fait avec ou dedans vient toujours avec un petit goût de frustration? Cette frustration grinçante répétée très régulièrement tout au long du jeu, c'est un tue l'ennui. Et quand il s'agit du bel et doux ennui que sait offrir le JRPG, c'est particulièrement dommage. Eiyuden Chronicle 100 Heroes fait partie de ces jeux auxquels on voudrait pouvoir tout pardonner. On adorerait pouvoir lui dire que ce n'est pas grave de ne pas faire mieux que son illustre modèle sur de nombreux points, parce que l'intention est touchante et que le cœur qu'il met à l'ouvrage général l'est tout autant. On rêverait de céder à de basses considérations nostalgiques pour se vautrer entièrement dans ses vieux systèmes et ses vieux décors.
Les Final Fantasy XVI et autres 7 Rebirths peuvent bien repousser les frontières pour chercher l'avenir du genre, on aimerait pouvoir considérer que les tripes purement rétrogrades peuvent aussi avoir du bon, et que s'agissant du JRPG, ils recèlent même certaines saveurs qui tendent à s'effacer peu à peu car jugées obsolètes. Mais malheureusement, en faisant du vieux avec du vieux, Eiyuden Chronicle nous replace face aux bases de tout un genre, les menus et les combats. Et, aussi surprenant et malheureux que ça puisse paraître au milieu d'un projet plutôt bien tenu par ailleurs, il arrive à rater l'inratable. Que reste-t-il alors aux fans de JRPG que le jeu salue à son lancement ? De beaux souvenirs, certes, mais aussi beaucoup de frustration et un Suikoden 2 HD Remake qui devrait sortir dans le courant de l'année. Donc on vient de voir la critique, ouais. Bah, merci déjà d'avoir fait une critique à l'ancienne, hein, j'ai envie de dire, voilà, où chaque mot était tapé sur un clavier, ensuite lu par une voix off, que toi aussi qui fais la voix d'ailleurs, et ensuite monté par Jojo, qui était un des monteurs, voilà, qui a beaucoup monté de choses pour No Life, et qui a repris son rôle de monteur pour l'occasion. Ouais. Donc bah, dis-nous tout, tu m'as dit que c'était un peu difficile quand même, pas une souffrance Non, une souffrance serait exagérée, mais c'est vrai que moi depuis No Life, j'ai jamais refait cet exercice de critique ou test, on appelle ça comme on veut maintenant, mais en tout cas spiquer comme ça. C'est-à-dire que j'ai pigé encore un peu après, dans quelques magazines après No Life, mais cet exercice du texte que tu lis et qui est mis en image après, il y a un côté définitif auquel j'étais tout à fait habitué à l'époque, c'est comme ça qu'on faisait et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça à l'époque vraiment. Mais entre-temps, on a fait le Cozy Corner avec Mehdi et là on est vraiment allé sur quelque chose de très différent et même aujourd'hui sur Origami, c'est plus c'est un exercice qui se rapproche plus de la prise de notes d'abord et ensuite en plateau. Ben, on discute un peu plus librement en fait de tout ça et il y a un côté que moi j'ai trouvé très un peu libérateur en fait là-dedans dans le fait d'être plus dans la discussion et de moins avoir cette posture de eh ben je vais dire quelque chose et c'est un petit peu bah c'est comme ça quoi, c'est définitif. Et oui, donc, parce qu'il y a aussi un dialogue avec tes collègues. Oui, c'est ça. Ouais, il y a toujours c'est ça, c'est qu'en fait la position d'être dans un dialogue effectivement, c'est ça qui m'a paru très libératoire dont j'ai beaucoup de mal à me passer aujourd'hui. Et là tu vois c'est vrai que j'ai pas mal stressé avant d'écrire en me disant mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire d'assez intéressant pour que ça vaille le coup d'être écrit et presque tu vois gravé dans une tablette. Et puis il faut dire que ça se fait plus trop. C'est plus au goût du jour les critiques ou les tests en vidéo. Ça date de l'époque de Tilt. Hein. C'est un vieil exercice. Ouais, c'est quelque chose d'assez à l'ancienne. Alors on trouve encore sur YouTube quand même des gens qui continuent un petit peu, à cet exercice. Ça se fait encore un petit peu dans des formes assez différentes. Mais cet exercice de faire une review en vidéo, expliquer comme ça, ça se trouve encore un petit peu. C'est vrai. En tout cas, moi je trouve que ça garde un charme particulier, notamment parce qu'il y a une étape de montage ensuite. C'est-à-dire qu'au-delà du texte, tu as quand même chaque image qui va être bien choisie. On va mettre en avant, en exergue certains éléments du gameplay. Ouais. Ça raconte quelque chose, si la critique est bien faite, ça peut raconter quelque chose d'assez, d'assez profond, parfois. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'on a conscience de perdre un peu dans de l'exercice live comme Origami, où on fait ce qu'on peut pour fournir à Sylvain des captures de jeux, des extraits en lui disant bah, c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir mettre ça et tout. Mais Sylvain, il réalise en live, c'est pas du tout le même exercice qu'un montage qui raconte quelque chose. C'est deux formats complètement différents qui ont chacun leur avantage. Un peu, on en parlait, moi je disais c'est un petit peu comme la différence entre un sketch filmé et un sketch stand-up. Alors c'est pas vraiment vrai. Mais je pense qu'il y a plus d'écriture dans le stand-up quand même. Il y en a un qui est dans l'immédiateté, dans le retour du public, enfin vraiment dans l'expression orale comme ça, et l'autre qui est plus dans le rythme, la réflexion. C'est ça. Ouais, donc c'est deux exercices différents. Mais en tout cas, merci pour cette critique. Moi, j'ai pas encore vu le montage, mais j'étais là au speak, et je peux vous dire l'effet que ça fait de rentendre un speak de Moguri, c'est quelque chose. Voilà, c'est nostalgie totale pour moi. Ça a été un sujet aussi de me remettre au speak, mais bon, on va pas repartir là-dessus, mais c'est compliqué. Ok, bah on va passer à un autre exercice que j'ai pas fait depuis des années, le live report. La petite scène du bar Tennessee à Paris a vu passer nombre de soirées karaoké et un paquet d'artistes. Mais le 11 mai dernier, c'est la première fois qu'elle accueillait la J-pop pétillante de Yuka.
C'était le point final d'une tournée européenne qui comptait deux dates en Belgique, avant un concert au Comic-Con de Naples, ainsi qu'un passage sur les scènes de Mangazur à Toulon et Japan Touch Haru à Lyon. Yuka, de son vrai nom Yukika, était déjà venue se produire en France sur la scène Tsubame de Japan Expo 2023. C'est là que le public français a pu découvrir cet artiste indé qui compose et écrit ses chansons depuis ses tout débuts. その当時は、中学校の時にその音楽バンドを始めるきっかけが友達に誘われたなんですけど、友達がスキャンダルっていうバンドが好きで、それをなんか一緒にコピーしようっていうあれて、なんか一時期そのスキャンダルっていうバンドをすごく目指してました。 À la fin du lycée, le copyband se sépare et seul Yuka va persévérer dans la musique. Comme beaucoup d'artistes de sa génération, elle se fait d'abord connaître sur YouTube tout en se lançant en indé avec beaucoup d'envie et de débrouille. Et puis Yuka décide de s'aventurer à l'étranger, ce qui ne va pas de soi pour une artiste indé qui en est encore au tout début de sa carrière. Petite surprise à la fin du concert, un tout nouveau titre créé à peine quelques jours plus tôt avec la complicité du rappeur français Cookie-san. Une collaboration rendue possible grâce à Sae Sibo, organisatrice de la tournée qui œuvre depuis des décennies pour la reconnaissance de la musique japonaise en France et qui a su mettre les artistes en contact. Alors c'est un morceau qu'on voulait fédérateur et surtout assez représentatif de cette union de deux cultures qui peut être aussi un grand thème de société partout dans le monde. Et du coup ce qu'on voulait c'était assumer fièrement qui on est. Je lui ai proposé un thème et un début de parole de mes couplets, elle a validé et là ça part en finition. Et du coup, dès qu'elle est arrivée en France, on s'est vu au studio et on a vraiment fait le morceau ensemble au studio. Et c'est ce qui a donné vie à ce troisième couplet où on a l'impression d'être ensemble dans les paroles. Et c'est avec le titre Logic Gata que se termine le dernier concert de la tournée européenne de Yuka, qui, malgré le côté rudimentaire de la salle et de l'équipement son et lumière, a tout donné pour défendre son dernier album Stagigo. Malgré les petites galères qu'elle a rencontrées pendant son voyage, elle sait garder le sourire et prendre les choses comme elles viennent. ショックだったのがギターが壊れてしまって、ずっと愛用してたギター。なんですけど、ナポリのライブの時に、自分がめっちゃ飛び跳ねてたのシーク歌ってたら、その衣装がギターにこかしちゃって、雨も降ったし、散々で、でもいろんなことがあって、フランスでもなんかマクドナルドにトイレ入ったら、トイレのドアが開かなくなって、逆にトイレに閉じ込められて、すごい怖いなって思ったのもあったけど、でもそのやっぱイタリアとかもベルギーもフランスも街並みが綺麗やし、人もすごく好きだし、食べ物も美味しいし、ライブもすごく楽しいから、 Alors là, c'est un peu l'inverse, comme tu le disais en fin de plateau précédent. C'est un exercice auquel toi, tu t'étais pas refrotté depuis un certain temps. Bah voilà, des années que j'avais pas fait ça. Ouais. Ouais. Écoute, c'était vraiment un plaisir. Autant que pour ce live report que pour les news que tu as vues sur Goldorak ou sur la cinémathèque avec James Cameron. Repartir en reportage pour faire du reportage un peu de l'actualité fraîche, c'est quelque chose qui est vachement cool aussi à faire. C'est autre chose que juste faire une news comme ça avec une bande-annonce qu'on reçoit, tu sais, on écrit un texte et ça passe. Là, on va vraiment chercher l'info, on va chercher l'image, on va chercher
chercher l'interview qu'il nous faut. Et là, pour ce live report, c'était un plaisir à la fois de se replonger dans cette ambiance de concert et aussi d'utiliser du matériel moderne, parce que le matériel n'a plus rien à voir avec celui qu'on avait à l'époque de No Life. Maintenant, même dans les basses lumières, et là, c'était le cas pour ce concert, la lumière était vraiment très faible. Ouais. Il n'y avait même pas de lumière, il y avait un petit spot comme ça, mais il n'y avait pas vraiment de travail de lumière. Ben, on a quand même une image correcte. Pareil pour le son. L'interview, on l'a faite dans un endroit où il y avait, il y avait à peine une lampe. Ben, j'arrive à en tirer quelque chose. Quoi. Et ça, c'est vraiment un vrai plaisir. Et j'arrêtais pas de me dire, oh, si j'avais eu ça à l'époque, si on avait pu profiter de cette technologie à l'époque de No Life, ça aurait pu être évidemment beaucoup mieux techniquement. Et un autre plaisir de ce live report, mais aussi des news dont on a parlé, c'est de faire appel aux voix off d'origine. Donc Caroline pour la musique et Angela pour les news. Ça aussi, pour moi, c'était quand même un grand plaisir. Déjà, merci, merci d'avoir dit oui et d'être venu. Elles sont venues faire leur voix dans la cabine speak comme à l'époque. Et on a retrouvé cette ambiance. Dans une cabine speak beaucoup plus grande quand même que celle de No Life. Il y a quelques images qui l'attesteront, je pense. Tout à fait. On a tourné dans les locaux de Bobby Phillips. Donc, merci à Bobby Phillips de nous avoir encore accueillis sur ce projet. Et puis, ce qui était fou, c'est que c'était hyper pro, quoi. Quand ils sont arrivés, bam. J'étais pas présent pour le speak d'Angela. J'étais là pour le speak de Caro, mais j'ai été impressionné par la manière de poser sa voix qui est toujours... je crois que Caro a continué à faire cet exercice depuis, mais c'est impressionnant. Mais Angela qui me disait que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas fait de voix, direct, tu retrouves tout de suite le ton, l'ambiance de l'époque, c'est inimitable, quoi. Donc encore un des bienfaits de ce 100%, c'est d'avoir pu retravailler avec ces personnes de qualité. Qu'est-ce qu'on regarde maintenant ? Maintenant, on regarde en parlant de personnes de qualité, on va retrouver un certain Médoc pour un hippodrôle. Ouais, non, honnêtement, il aurait pas dû monter sur la table à la fin. Quoi. Je veux dire, ça se fait pas, c'est son petit frère. Ah, je sais pas, en même temps, il était content, hein. C'est la finale des championnats de France et tout. Ouais, peut-être, mais bon, quand même. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, on a une table de ping à la boîte, là. Ça te dit qu'on se fasse une petite partie? Si tu veux, mais tu risques de le regretter, quoi. Attends, j'ai un petit niveau quand même en tennis de table. Oui, sûrement, mais disons que mon métier fait que j'ai des facilités, quoi. Et c'est quoi ton métier? T'es pongiste? Non. T'es quoi, alors? Ah, tu verras, mais c'est juste, ça risque d'être bizarre pour toi, quoi, c'est tout ce que je dis. Attends, mais c'est quoi alors? Ça a rapport avec le sport? Non. Mais tu fais quoi? Tu fabriques des raquettes? Mais non. Attends, mais c'est n'importe quoi, tu fais quoi? Tu bosses chez Joula? Tu fais les t-shirts? Mais non, n'importe quoi. Mais attends, mais je vois pas quel métier tu pourrais faire et qui fait... Je suis monteur. Et quel est le rapport avec le tennis de table? C'est qui? À vitesse suprême! Vas-y, je me casse, j'ai du boulot. Et toi, tu fais quoi dans la vie d'ailleurs? Moi, je suis ingé son. Ok. Et d'ailleurs, va essayer de monétiser ça maintenant. Quoi? Ah, le gros bâtard! Alors, tu me disais que le rire de Cataclope au début, t'es pas fan. C'est vrai, c'est quelque chose que j'ai jamais révélé à l'époque. Mais quand je parle du rire, c'est juste la mélodie du rire. La mélodie du rire de Cataclope, c'est genre un truc comme et qui remonte. Je sais pas pourquoi. C'est la voix de Marcus, hein, pour ceux qui savent pas. Marcus, Cataclope est doublé par Marcus dans le jeu No Life Les Aventures. Ouais. On explique un peu le contexte. L'hippodrôle de No Life, donc c'était à base, thématique chevaline, parce que l'émission s'appelait 101 pur sang, qui était une dérivée de 101%. Je sais pas de quel jeu de mots est parti toute cette cascade après de trucs qui disaient la table, ça va être un fer à cheval. C'est Davy qui avait trouvé ça, je pense, 101 pur sang. Ça vient de là.
Et donc, du coup, l'hippodrome, on avait mis Cataclope, le petit cheval, qui avait dans le jeu No Life Les Aventures. Et dans ce jeu, c'est Marcus qui faisait Cataclope. Et donc, pour l'hippodrome, on avait mis ce petit sprite en pixel. Avec donc, ce fameux. Donc, je suis désolé, Marcus, mais ce rire me déplaisait un petit peu. Ouais, c'est comme ça. Mais là, c'est la seule. Grosse entorse qu'on fait au 101%, c'est-à-dire que normalement, il n'y a pas d'hippodrome le vendredi. C'était que le lundi dans après, 101%. J'ai envie de dire, c'est une nouvelle saison de 101% qui démarre, qui fait qu'un seul numéro. Et à chaque saison, tu sais, les rubriques pouvaient changer. Et il faut le préciser, parce qu'on est sur un 101% unique, hein, a priori. On n'en fera pas ça tous les jours. Hein. Parce qu'à l'époque, on en faisait un par jour, et là, on peut vous dire, pour en faire un, le temps que ça nous a pris, c'est difficile. Il faut se remettre dedans. Mais donc, ça a été l'occasion de refaire un sketch tourné avec toi. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Et là aussi, ça a été. Ça aurait pu commencer comme une. Comme un truc un peu stressant parce que ça fait très longtemps qu'avec Mehdi on n'a pas écrit de scénario. Tu vois, on fait du sketch à droite à gauche, par-ci par-là. On en fait surtout à l'audio dans le Cozy Corner et tout. Mais ce truc de se dire attends, mais on écrit un scénar vraiment pour avoir un tournage prêt et tout. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas fait. Ça a été extrêmement plaisant de tourner ça avec toi. Et en plus pour le côté stressant du scénar, on a utilisé une petite astuce qui consiste à te laisser 95% du travail en disant bon ce sera en fait un sketch principalement basé sur du montage. Oui, mais en même temps, moi ça me fait plaisir de pouvoir un peu m'amuser. Ouais, ça me donne du matériel quoi. On s'est dit que c'était un genre d'exercice qui pouvait te parler un petit peu. Et donc merci pour ça parce que c'était vraiment. Je sais que Mehdi se joint à moi pour dire ça, que c'était. Moi aussi ça m'a fait très plaisir. Quand j'ai reçu le texte, je me suis dit parfait. Ouais. C'est exactement. Voilà. Ça fait longtemps aussi que j'avais pas revu un texte d'hippodrôle. Faut rentrer en plus. D'hippodrôle, il n'y en a pas eu beaucoup non plus. Il y a eu beaucoup d'hippodrôle. Mais parfois, il y avait des textes écrits. Ben, je sais pas, par exemple, pour la rentrée, j'avais déjà vu des textes écrits. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ça. Le lire, je me mettais un peu dans l'ambiance. Et il faut comprendre quelque chose, c'est que leur univers est tellement parfois absurde et un peu tiré par les cheveux, que ce n'est pas forcément évident de comprendre tout de suite à l'écrit. Une fois que vous le jouez, c'est beaucoup plus clair. Ouais. Et parfois, j'avais besoin de te demander, mais alors, attends, la fin, qu'est-ce que c'est exactement Donc, c'est toujours aussi étonnant. Voilà, aussi rafraîchissant. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir, en tout cas, à tourner ça. Et puis, c'est des super acteurs aussi. Je sais pas, après. Si, hein. si. Mais alors, très bien mise en scène. Mais alors, là, c'est un plateau qui va jamais s'arrêter, c'est ça. Qu'est-ce qu'on doit regarder maintenant? Ah, Mon Souvenir. Ah, le Mon Souvenir, bien sûr. Alors, mon souvenir le plus marquant de jeu vidéo, c'était sur GTA San Andreas. Et donc là, vous me dites, t'étais trop jeune, Héloïse, pour jouer à GTA San Andreas quand il est sorti. Oui, j'étais trop jeune et c'était le problème. Moi, j'avais l'habitude d'aller chez mes cousins et mes cousines qui étaient plus vieux et qui jouaient à plein de jeux auxquels j'avais absolument pas eu le droit de jouer. Et je reviens du coup d'un été en me disant, mais il faut absolument que j'aie ce jeu et tout, je sais pas comment faire. Il se trouve qu'à ce moment-là, j'avais un ami qui était biélorusse. Il était biélorusse, il était venu en France quelques années avant, on était dans le même collège, et il se trouve qu'il avait commencé à mettre en place un système de vente de copies qu'il allait chercher l'été en fait en Biélorussie. Donc moi, mes parents, hors de question que je joue à GTA, déjà j'avais pas trop le droit de jouer, mais alors encore moins à ce genre de jeu, j'étais trop jeune. Et donc se lance une opération contrebande où je dois sortir mon petit portefeuille, sortir mon billet de 10 euros, le refiler et recevoir la copie. Donc c'est ce que je fais, je le glisse un peu au fond de mon sac, derrière tous mes manuels, etc. Avec, les sacs de 6e, ils ont 15 000 trucs, c'était impossible que je me fasse prendre. Mais j'avais la petite goutte de sueur, parce que si je me faisais prendre, c'était foutu. J'ai réussi à passer l'étape, je rentre dans la voiture, je laisse mon sac, etc., qui se met dans la voiture, dans le coffre de la voiture. On arrive et tout, et là se passe le moment où je dois cacher la jaquette de jeu. Parce que on n'est pas mercredi après-midi, j'ai pas eu le temps, en fait, juste pour installer le jeu dans un dossier caché, etc. Donc je crois que, je sais plus quand on était, mais il y avait quelques jours entre le mercredi après-midi, donc je le cache, je sais plus trop où, j'ai la petite goutte de sueur à chaque fois que ma mère s'en approche et tout. Et puis arrive le mercredi après-midi. J'ai glissé la copie du coup dans le PC familial, j'ai créé le dossier caché et tout ce qu'il faut. J'ai réussi à installer le jeu, donc c'était pas une mauvaise copie comme on peut en avoir à chaque fois. Et là, je lance le jeu. Il est en russe. Voilà. Et il est en russe, donc j'ai réussi à jouer finalement d'abord en russe. Et puis après, j'ai trouvé comment changer. J'ai appris du coup comment on disait option et au moins comment lire option et langue. Et puis j'ai joué du coup à GTA San Andreas quand j'étais toute jeune,
en anglais. Et ça m'a énormément aidée pour apprendre l'anglais. Mais je devais parler vraiment comme dans GTA en cours d'anglais au collège. Donc ça a dû être très marrant pour mes professeurs. Drive on the East Coast, homie. Hey, O'Ree still run the barbershop? Like a raggedy-ass motherfucker. He popped his membrane years ago. The way I left that old fool in my head. Yeah, I think I'd get cut up. Voilà, alors c'était le souvenir d'Héloïse d'Origami. Il faut savoir qu'on a tourné un Mon Souvenir pour tous les membres d'Origami, les cinq membres fondateurs en tous les cas, et seulement ça faisait un peu long pour ce 101%. Donc on a mis que celui d'Héloïse qui est très cool pour cette émission, mais tous les autres sont disponibles dans une vidéo dédiée qui normalement est déjà sur la chaîne YouTube d'Origami à l'heure où vous regardez ce 101%. On va regarder maintenant Debug Mode, mais ça me fait penser, il y a, je crois, jamais eu... Pourtant, il y a eu des Debug Mode sur beaucoup de choses, hein, à No Life. Je crois qu'il n'y a jamais eu de Debug Mode sur Mon Souvenir. Je crois pas non plus, à moins qu'on nous dise le contraire, on verra. Oui. Mais en tout cas, pour t'expliquer un peu, c'est une idée de Grégoire Hello. Ouais. Tu sais qu'on voit dans Soumis Scène Turbo toujours, avec Camouille et Pouillot. Et au tout début de No Life, quand on a un peu parlé de l'idée à nos copains, il en faisait partie, ouais. Et il nous a dit, ben voilà, j'ai trois idées. Il m'a envoyé un mail, et il avait trois concepts d'émissions à nous proposer. Le premier, j'ai complètement oublié. Ouais. Le deuxième, ça s'appelait L'Otacoin, je me souviens du nom, très grec ce titre. Oui. L'Otacoin, donc c'était une espèce de visite chez des collectionneurs qui montraient leur collection incroyable. Ouais. Finalement, on n'a pas fait l'émission, c'était un peu compliqué à faire au départ. Et puis plus tard, Florent a proposé Collector's Quest, oui, donc ça prenait un peu ça prenait un peu le créneau. Et le troisième concept, c'était Mon Souvenir, et c'est une personnalité parle de son meilleur souvenir de jeu vidéo, en tout cas de son souvenir le plus marquant, ouais. Pas forcément le meilleur jeu qu'ils aient fait, mais un souvenir amusant et marquant sur un jeu vidéo. Et ça, on a trouvé l'idée géniale, parce que c'était assez, finalement, c'était assez simple. À chaque fois qu'on avait l'occasion d'interviewer une personnalité qui vient du jeu vidéo, de la musique ou qui que soit d'autre, de lui demander quel est ton souvenir de jeu vidéo, et ça nous faisait cette rubrique Mon Souvenir. C'était une hygiène, un réflexe qu'on avait quand on partait en interview, il y avait la question « Mon souvenir » dès que le temps s'y prêtait. Et ça a donné une capsule que je trouve excellente. C'est une de mes préférées sur No Life. Maintenant, on va regarder, donc, on arrive à l'endroit critique de ce 101%, parce que j'imagine que c'est pour ça, à la base, que les gens sont venus aujourd'hui. On va regarder le Debug Mode. Bonjour et bienvenue dans Debug Mode. Aujourd'hui, on va vous parler du lancement d'Origami. Comme vous le savez, Origami, c'est un média qu'on a financé de manière participative sur Internet en juin 2023. On a fait plusieurs lives pendant la campagne, déjà pour l'annonce du projet dans un premier temps, ensuite pour suivre le projet et surtout à la fin pour célébrer la fin de la campagne de financement sur Ulule. C'était un live assez fou pour nous parce que même si on avait vu avant que la campagne marchait bien, c'est ce live-là, à ce moment-là, qui entérinait le fait que oui, ça y est, c'est bon. C'est très professionnel, on peut le dire, au nombre de machines qu'il y a de branchées. Le podcast que tu animes, etc., sera déjà là, prêt à recevoir une épée sur ton chat Twitch. Dans 3 minutes, c'est la fin de la campagne, à 20h donc. Il va falloir que tu filmes ça. 3, 2, 1... Merci beaucoup! Tout s'était bien passé, seulement il restait un grand inconnu pour nous qui était les locaux d'Origami. On les avait déjà repérés, on savait ce qu'on voulait, mais il se trouve que c'est des locaux qui appartiennent à une pépinière, l'entreprise, et qui imposent de passer par une commission avant d'être obtenus. Et nous, on n'était pas sûrs de les avoir. On a eu la réponse juste après. Voilà, donc là, c'est les locaux d'Origami. La RH est par là-bas. C'est ça. Chantal, très sympa. Bon, je reviens. Oh, les cons. On a une boîte à clé, mais on n'a pas mis de clé dedans. Le 5 du 5. On a beaucoup attendu avant de démarrer, donc du coup, une espèce de surplus d'énergie comme ça, il faut que ça sorte, quoi. Là, on a deux bureaux. C'est un peu pour ça qu'on a sélectionné ce local.
On a pu commencer à commander tout ce qui est bureau, ordinateur, etc., etc. Et on s'est installé dans le courant de l'été, entre juillet et août. Et là, tu rentres à reculons dans ce qui est la pièce principale de ces locaux. Mais en gros, ici, ça va servir de salle de test de jeu, etc. Et en même temps, un deuxième mini plateau de stream pour des streams un peu plus informels qu'on ferait comme ça juste pour... Et là où je suis, donc du coup, il devrait y avoir des fauteuils, un canapé. Je crois que le plus satisfaisant pour une grande partie de l'équipe, c'est quand même le montage de la structure sur le plateau, donc on dit le plateau du haut. Ah, le bel aluminium avec de la grosse soudure, j'adore. Le fait vraiment de monter cette structure sur laquelle viennent ensuite se greffer les éclairages, il y a quelque chose de vraiment très concret parce que c'est vraiment de la matière et qu'elle est lourde, que tu te la fais livrer, qu'elle vient de loin, que c'est ce qui va te permettre de faire plusieurs plateaux, etc. Si toutes mes mesures sont bonnes, et c'est là que le si est très important, si toutes mes mesures sont bonnes, ce plateau sera parfaitement adapté à la pièce. Faut espérer que j'ai bien mesuré. On a accès à la notice, mais on ne le voit pas, c'est ça? Bah là, c'est assez simple. En vrai, normalement, on a un 2 mètres ici. On a 4 caméras principales, j'aurai une 5e caméra sur la régie. C'est des caméras qui peuvent également, ça c'est plutôt agréable, streamer par elles-mêmes. Donc ça me permet, si jamais ma machine plante pendant une émission ou un truc comme ça, j'appuie sur un bouton et en théorie, derrière, elle envoie l'image de la caméra centrale avec toujours le son de la carte son qui est embed dedans. Donc ça te fait une petite sécurité quoi. Ça m'est jamais arrivé de monter un plateau entièrement neuf, justement. De devoir déballer le jour même toutes les machines que tu vas installer, c'est un petit plaisir, on va pas se mentir. On a eu la chance d'avoir une pièce qui correspondait presque à une taille standard de ce genre de structure, et donc elle a pu épouser les murs et utiliser un espace maximal quoi, dans la pièce. J'ai vraiment eu un doute hein, jusqu'au dernier moment. Le plateau, ça se présente plutôt pas mal. Là, tout ce qui nous manque à dire vrai, c'est le plateau en lui-même. Oui. J'ai jamais pu me monter une régie aussi confortable. C'est l'avantage de faire une régie dont tu sais que tu vas pas bouger, quoi. C'est vrai. C'est vrai que c'est spacieux. T'as pas de perte d'espace. Je trouve ça assez agréable. Il a fallu aussi créer et habiller la salle de stream qu'on utilise en bas, que vous voyez aujourd'hui dans nos streams, avec un mur de fond surtout qui de base était tout blanc, pas très télégénique entre guillemets. Il faut détacher les petits carrés de végétation plastique pour faire des combinaisons déjà qui nous plaisent et qui rentrent dans ce mur là-bas. Là nous avons des cloisons de bureaux qui sont faites d'une couche de placo, d'une couche de mousse et d'une couche de placo. Autant dire qu'on fixe pas ce qu'on veut exactement dedans, et donc du coup on essaye de faire un truc relativement léger et qu'on puisse qui abîme pas trop les locaux quand on les rendra quoi. Ah alors, les deux latérales d'abord? Oui. Et après on cale la... Ouais. Avec la chaise après. Oh ça. Quoi, où ça, je suis pas droit, où là, quoi? Oh là là, t'es pas droit. Où ça? Alors pendant qu'on était en train d'habiller physiquement les locaux, il fallait aussi habiller de manière plus virtuelle nos émissions, c'est-à-dire commander les habillages, tel coup, c'est comme ça qu'on appelle ça, les habillages graphiques et musicaux des différentes émissions qu'on voulait proposer, notamment l'hebdo, bien sûr, l'hebdo qui est notre émission phare, entre guillemets. Et donc dans ces cas-là, et c'est un côté très plaisant de tout ce qu'on a fait, on contacte les gens qu'on connaît, dont on apprécie le travail, et on leur demande s'ils sont disponibles. Et donc ils m'ont demandé de faire une partie de l'habillage sonore. C'est juste une maquette, hein, là il n'y a pas de mix et tout ça, c'est normal, ils nous proposent juste les idées entre guillemets qu'il a. On a bien aimé la base, par contre ce qu'on se disait c'est que ça faisait, et ça vient peut-être pas mal du pitch qu'on lui a fait, ça fait très, fait très journal télé en fait. Mais eux finalement, ils voulaient quelque chose de plus foufou. On lui a demandé des trucs un peu plus crades, un peu plus texturés, comme il sait très bien le faire, hein, si vous avez entendu ses travaux, notamment sur la BO de Last Man. J'ai voulu essayer quand même un truc qui sonne un peu moderne. Alors j'ai parti d'une batterie qui cognait un peu quoi. Tu vois le morceau il commence à 140. Et là, tu vois, et ça monte jusqu'à 160.
on a pu avoir des habillages graphiques par Guillaume, alias MVCDLM sur les réseaux, qui nous a fait l'habillage graphique de l'hebdo, donc. Allez, en boucle! Ça a fait quelque chose de voir le truc assemblé, parce qu'on a vu d'abord Guillaume... il s'agit de créer une DA avant de faire un générique. On a vu les petits éléments au fur et à mesure. On a vu la musique aussi changer au fur et à mesure. Et voir les deux assemblés comme ça d'un coup, ça fait quelque chose. On maîtrise le moment de quand on va le montrer et tout. Et que ce sera le moment où on lancera Origami, c'était trop cool. Ouais, c'est ça. On a pu avoir un habillage et un générique tourné par Emeric Le Vardon, que pareil, pas mal de gens connaissent, qui avait officié déjà sur No Life et qui fait pas mal d'autres choses aujourd'hui, qui nous a fait un super générique pour l'émission Super Vieux Jeu dans les locaux de MO5. Que ce soit les musiques des génériques ou juste les petits, parfois des petites virgules sonores qu'on entend à droite à gauche. On a pu travailler avec 2080 pour Super Vieux Jeu, avec Exa Eva pour Internet Exploreuse. On a besoin d'avoir un cadre. Ouais. Un cadre, c'est possiblement des cadres. On peut juste lui donner un petit style en ayant par exemple des jolis bords, des jolis coins arrondis. Et c'est pas obligé de te faire un cadre coloré, etc. D'ailleurs, ça se fait de plus en plus d'avoir juste un ou un cercle. Ça en rajoute déjà un. Ouais, mais c'est plus ou moins tout le temps. Bah en fond, on peut presque reprendre celui qu'on a. Bah ouais. Mais je me disais que je mettrais bien, genre je ferais bien une alerte un peu même custom et tout, mais uniquement pour le Patreon. Mais c'est pas un peu bizarre de faire les célébrations de Patreon si les gens ils sont pas sur la chaîne à ce moment-là? Ah bah ça célébrera que ceux qui le font au moment où... Ouais. Ok, ok. Bah... Ça implique tellement de préparations différentes, tellement de chantiers différents sur lesquels avancer en même temps, que forcément, il y a du retard à droite, à gauche, que ce soit de la livraison. Il y a la compta qui se met encore en place. Mais en fait, on n'a pas encore nos mails pro. Pendant quelques semaines, je pense qu'on a tous vécu un petit peu comme on fait avancer plein de sujets, un petit peu. Enfin, il a fallu trouver la quantité de retard qu'on s'autorisait, quoi. Et dans ces cas-là, on a été d'accord pour dire qu'au bout d'un moment, il faut se donner une date. Si on se donne pas de date, si on se dit pas, ok, on vise un lancement de... Pour nous, le lancement, c'était le lancement de l'hebdo. Ça voulait dire, ok, s'il y a l'hebdo, Origami est officiellement lancé. Aujourd'hui, monsieur, c'est la première de notre émission et on est un petit peu stressé. Ouais, les chaises, elles sont que temporaires. Ouais, ici aussi. Mais on est déjà quand même assez bien. Voilà, j'adore le plateau, ouais. Le petit R2-D2, je trouve ça très geek. Le petit Dalchim, t'as vu le petit Dalchim? J'ai vu le Dalchim, ouais. Le R2-D2, l'âge de Kratos, c'est vraiment, vous êtes vraiment on point, ouais, dans le mille. Ah, là, moi, je constitue la plus grosse erreur de ce pilote, c'est-à-dire que je suis à la place du présentateur. Très mauvaise idée. Heureusement qu'on n'est pas en live pour la première parce qu'il n'y a pas grand-chose qui est prêt. Bah, on va parler d'Assassin's Creed, de la série, de la saga, de parler de l'héritage d'Assassin's Creed, de ce que ça représente aujourd'hui dans le jeu vidéo, et évidemment parler du coup de Mirage, puisqu'il y a Gauthier, Florian et moi qui y avons joué. On va pouvoir discuter de ce qui se fait de bien, pourquoi c'est un retour en arrière ou pas. On reste en sécurité parce qu'on ne la fait pas en live, et donc c'est un vrai pilote dans sa fonction, c'est-à-dire que si ça va pas, il sera toujours temps de corriger. Bon, on m'a dit de venir, donc je viens. J'ai du mal à lui expliquer parce que tout le reste est vraiment très cool. 3, 2, 1. C'est n'importe quoi ce qu'on est en train de faire. J'ai plus envie de la faire. J'ai plus envie de la faire, moi ça me stresse. Oh, pardon, vous êtes là, bienvenue tout le monde. Nous sommes le 13 octobre 2023, il est approximativement 15h30. C'est la première de l'hebdo Origami, on est un petit peu stressé. Bienvenue dans l'hebdo Origami. En fait, on a eu d'énormes problèmes de son sur cette première. On s'en est pas rendu compte sur le moment. Est-ce que tu nous reçois? On est très très loin, c'est une régie à distance. Oui, bonjour, je vous entends de l'autre côté de la pièce. Non, il faut pas que tu fasses un accent comme ça. C'est dommage parce qu'on parlait en plus d'un jeu qui faisait
un excellent sujet pour une première, pour un nouveau média. C'était un épisode d'Assassin's Creed, en plus un retour aux sources, quelque chose de très symbolique aussi là-dedans. Aujourd'hui, donc, on va parler de jeux vidéo avec Assassin's Creed, mais pas que, parce qu'on est sur Origami. Mais oui, en fait, on avait un problème de son bête et méchant, mais il fallait le trouver, et pour le trouver, il fallait qu'on soit dans cette configuration-là, assis comme on l'était, avec nos chargeurs de PC posés où ils étaient. On avait un buzz dans le son, donc un truc électromagnétique, quoi. Par exemple, vas-y, si c'était là... Bah, il faut allumer. Ouais, ok. Ouais, non, j'ai du bruit. Je l'ai moins, mais je l'ai quand même pas mal. Hein. Non, mais d'accord. Attends, je fais juste un dernier essai pour qu'on soit sûr. Mais c'est aussi à ça, littéralement à ça, que sert un pilote enregistrant en différé. C'est d'identifier ce genre de problème. Et donc, on a pu les identifier. Et une semaine après, proposer la vraie première de l'hebdo en direct, qui s'est, elle, très bien passée. On est parti avec vous, ça y est, maintenant c'est lancé, et c'est toutes les semaines et c'est tous les jours. Merci à vous, à très vite, portez-vous bien, bye bye. Salut. 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 Adieu. Ah, trop bien de générique de fin. Ah, ça c'est vrai, j'avais oublié. Bravo, c'était trop bien. Non mais tu sais, on va super. Trop bien, Florian. J'ai savonné incroyable. Non, trop. Ça s'est passé très très bien. J'ai trouvé. Oh là là, ça passe la pommade. J'ai trouvé Flo de haute volée. Ah ouais. Ouais. Il faut que je renvoie un ascenseur. C'est important de le renvoyer. C'est l'école Pouilleux. Voilà. Et je suis loin de son niveau. Je suis encore en train d'apprendre. Mais c'est ce que j'ai appris. Je l'ai appris avec. Et lui, il a appris avec Yuki. Donc. Voilà. Et voilà, et ça fait, et c'est bête à dire, mais même si on connaissait encore une fois tous et toutes ce principe d'émission, là, le fait de faire. La nôtre, la première, et par la même occasion de lancer officiellement Origami, de dire bah ça y est, il y a la chaîne Origami, on commence, et bah ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose, c'est à la fois un grand soulagement, c'est aussi de l'appréhension, hein, parce que dès qu'on a fini ça et qu'on se dit ah super, on l'a fait, c'est bon, c'est lancé, il y a très vite la petite voix qui dit ah bah oui, mais maintenant il faut le refaire la semaine prochaine, et il va falloir le faire la semaine d'après, et la semaine d'après, ça y est, c'est lancé, et donc maintenant il faut, c'est concret quoi. C'est étrange, hein, parce que c'est à la fois déjà vachement la routine, et en même temps, c'est par la nature de ce genre de métier fait qu'il n'y a pas un jour qui se ressemble, il y a toujours des nouveaux trucs à faire, des nouvelles idées de choses qu'on pourrait faire, et de choses qu'on parfois on pourra pas faire, mais c'est sympa d'avoir les idées et d'essayer de les faire quand même. Et je suis en train de dire n'importe quoi, pardon. Je me suis paumé. Voilà, ce 101% est presque terminé, on l'entend à la petite musique qui commence à être diffusée. Quelle émotion! Bah oui, ouais. Déjà, ce debug mode voilà, qui retrace la naissance d'Origami, ouais. Quand même pour moi, voilà, je me sens un peu privilégié d'avoir pu assister à ces moments historiques. Le terme est fort, mais je l'accepte. Tu verras, dans 20 ans, quand Origami aura 20 ans de diffusion, cette émission, tu vas le prendre à une valeur c'est vrai, particulière. C'est le bon mindset, comme on dit aujourd'hui. Et évidemment, pendant toute la réalisation voilà, de ce 100%, qui a duré quand même plusieurs semaines à faire, ouais. Moi, j'avais vraiment, et toi aussi, je sais, en tête toutes les personnes qui nous ont accompagnés, qui ont travaillé sur cette émission pendant toutes ces années. Ouais. La liste totale, c'est évidemment, je pense que c'est littéralement plusieurs centaines de personnes, en tout cas plus de 100 personnes. Ouais, plus pense. De 100 personnes probablement, ouais. Si on compte tous les gens qui ont été devant et derrière c'est la ça. Caméra. Ouais. Donc oui, pour nous, c'est des gens qui ont compté pour nous, pour nos lives en général. Je citerai très rapidement les gens qui ont travaillé sur cette émission en particulier. Donc il y a 2080 qui a fait l'habillage de la critique avec Platicoon et le son aussi de l'habillage. Olive et Pierre pour l'habillage de 100%, c'est ce qu'on voit derrière, les génériques, tout ça. Simon Perrin, le petit frère de Jérémy Perrin. Ouais. Créateur de Mars Express, réalisateur, ouais. Qui nous a fait le fameux Cataclope dont on parlait tout à l'heure. Le petit cheval en pixel art, ça c'est du Simon, et Radigo pour mon souvenir. Ouais. Et Olive aussi et Pierre également qui ont fait l'habillage de Debug Mode. D'accord. Voilà. Et un certain. J'allais oublier le Senpai, c'est ça. Yamaoka Akira, le compositeur de Silent Hill, qui nous a fait l'amitié. Enfin, il était payé, hein. C'était un travail, mais il a fait ça aussi de manière amicale. Toutes les musiques. Toutes les musiques de 100%, c'est ça ? 100%, ouais. Depuis le début de la chaîne jusqu'à la fin, si je ne me trompe pas. Exactement. Et ce n'est pas des musiques qu'on a récupérées sur un CD qui créait dans un coin. Pas du tout, c'est vraiment M. Yamaoka qui les a composées pour l'occasion, pour notre émission 100%.
Je précise quand même au cas où, Monsieur Yamaoka, qu'on connaît principalement pour son travail sur les OST de Silent Hill. Et Beatmania. Et Beatmania, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Entre autres, bien sûr. Ouais. Voilà, je sais pas si c'est le temps de se dire au revoir. C'est toujours un peu difficile. Ouais, de, c'est voilà, ça. De c'est ça, on n'a pas envie, mais il faut quand même se dire au revoir. C'est le moment peut-être de se rappeler qu'à l'époque, on faisait ça tous les jours. C'est fou. Ouais. Mais on était une équipe, hein. C'était bien rodé. Ouais, on, voilà, c'est, tour, ouais. Là, on était un petit peu moins nombreux. Ouais. On a fait ça un peu pour le plaisir, pour se faire plaisir, pour vous faire plaisir. Et oui, c'était pas mal de taf, mais aussi beaucoup de plaisir. Ouais. Donc, c'était une nouvelle saison de 101% d'un épisode. Hein. Il n'y en aura pas d'autres. On préfère tout de suite, plutôt que créer de faux espoirs, le préciser maintenant. Mais ça a été, comme tu l'as dit, un vrai plaisir à faire. Merci beaucoup, Alex. On espère que ça vous a fait plaisir aussi. Ben, merci à toi pour cette impulsion, j'ai envie de dire, et Origami, de nous permettre de le faire, Sylvain qui est là, qui nous permet d'enregistrer sur ce magnifique fond vert. Ouais. Voilà, donc c'est top. Merci à tous. Et bah, je me joins à toi, Origami, pour te dire de rien. et je me joins à toi, je pense, pour dire à tout le monde à une prochaine. Je balance pas trop, j'ai un peu cette tendance à balancer, moi. Ouais, moi aussi. Le pire. Et Thierry, il avait tendance à faire ça. Ouais. Alors, tout de suite, dans. Salut Thierry.